L'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres. Celui qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit l'est de vous parfaitement. Les hommes n'aiment point à vous admirer. Ils veulent plaire. Ils cherchent moins à être instruits et même réjouis qu'à être goûtés et applaudis. Et le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui.